Henri, on nous a demandé de calmer un peu sur l'humour noir. Alors, moi, j'ai décidé de vous parler de bienfaits du rire. Comme ça, ça va très changer. Intéressant. C'est beaucoup plus bienveillant comme chronique. Je t'encourage. Écoute, un petit rebond, ça ne peut pas faire de l'autre mal. L'autre furieux à côté de moi. Enfin, on n'en parlera pas. Je sais pas qui est le pire entre toi et moi. Bon, on a bien rigolé, c'était le principal. Alors, le titre de ma chronique, ce sera « Rire pour mieux vivre ». En plus, ça rime. Donc, on est un peu dans un monde où l'humour est un remède universel. Okay. Est-ce que vous vous êtes une fois senti un peu un coup de blues ou alors l'envie de rigoler parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas rigolé? Mais en fait, exactement, okay, j'ai perdu, perdu le fil de mon truc. Dans cette chronique, on va parcourir en quoi l'humour est un antidote naturel à la mauvaise humeur, à l'anxiété, au stress et parfois à la dépression. Je ne dis pas que le rire est le seul antidote à la dépression. Hein, si vous avez besoin d'aide, allez vous faire aider. Hein, la médecine qui a vachement régressé. Tu as mal? Rigole, ça va aller mieux. Mais ça n'empêche que c'est quand même très intéressant et on n'en parle jamais de ça. Exactement. Mais avant de vous expliquer en quoi le rire est bénéfique pour le monde, je vais vous expliquer d'abord comment fonctionne le rire. Okay. Est-ce que vous savez c'est quoi un peu les éléments du corps qui se mettent en mouvement quand vous rigolez? Il y a les muscles faciaux déjà, pour commencer. Ouais, exactement. T'as les joues qui se contractent, t'as les yeux qui se plissent, il me semble aussi. Et il y a une charge de dopamine. Ouais, t'as une petite dose de dopamine qui envoie dans ton cerveau aussi. Exactement, il y a plein d'hormones. T'as les abdos qui se contractent, donc ça, ça travaille. Oui. T'allais pas à la salle, ça allait juste dans les spectacles de stand-up. Rigoler en fait. En gros, il y a plus de 600 muscles, plus ou moins, qui sont utilisés à chaque fois que vous rigolez. Non. Donc ça part du visage jusqu'aux jambes. Ça, c'est genre quand vous esclaffez vraiment genre, en mode what the fuck et vous tapez partout. Ça savais déjà pas qu'on avait 600 muscles. Eh ben oui, bah écoute, c'est une information que je trouvais sur internet, je n'ai pas de double check. Sur Twitter aussi, voilà. Sur Twitter, c'est Twitter la source d'infos, c'est du Radio Côte. Eh voilà. Ben, est-ce que vous savez que le rire est aussi un réflexe à une en réponse à un stimuli plaisant? Donc par exemple. Bah, ça dépend de votre type d'humour, mais si vous voyez quelqu'un glisser sur une peau de banane et complètement se rétamer par terre, moi perso ça me fait trop rire, du coup ça c'est mon réflexe, c'est de rigoler. Parce que c'est plaisant. Exactement. En fait, t'aimes bien quand les gens ont mal, c'est ça que je peux dire. Ouais, moi je ris un peu du malheur des autres. Ah ouais, je comprends. Donc en fait, quand tu ris, ton diaphragme va se contracter pour faire expulser l'air que t'as dans les poumons. Mais ce diaphragme va aussi masser tous tes organes qui sont dans ton ventre. Parce que du coup, il va prendre plus de place dans ta cage thoracique et va en fonctionnant. On dirait pas qu'elle nous raconte des bêtises. Allez, double check. Okay. Voilà, elle nous dit que du flan depuis le début. Le massage qui sort sa petite. Le diaphragme qui sort sa petite table de massage. Il y a vos 600 muscles qui se font masser les uns après les autres. Voilà, dès que vous tiens, oh, estomac, t'as passé une mauvaise journée. Allez, tiens, petit massage du dos, tranquille. En tout cas, Aurore a de l'imagination. Exactement. Continue. Écoute, voilà, moi j'aime beaucoup le massage, donc voilà. Donc plus. Tu ris, plus tu vas contracter de muscles, ce qu'on disait avant, plus de 600 muscles dans tout le corps qui sont utilisés. Alors, on a un premier sujet qui est rire pour la santé. Donc en fait, comme on a parlé tantôt, plus tu vas rire, moins ton taux de cortisol va être élevé. Vous savez ce que c'est le cortisol? Lié au stress. Exactement, c'est l'hormone du stress. Donc évidemment, tu rigoles, t'es moins stressé. T'as compris, Brice? Non, je comprends, merci beaucoup, Baptiste. Tu es très intelligent, Baptiste. Félicitations. Écoute, on est aux études. Hein. Mmh. Apparemment, on plus intelligent et on le droit de comprendre l'humour. T'es fan du monde noir, toi? Oui. Ah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. En plus du taux de cortisol qui descend, il y a le taux de dopamine qui augmente. Et la dopamine, c'est quoi? C'est l'hormone du plaisir, exactement, qui peut aussi monter dans d'autres situations, mais ce n'est pas pour l'antenne. Quelle autre situation, par exemple, Aurore? Ce n'est pas pour l'antenne. Est-ce que tu connais ce genre de pic de dopamine, toi, Aurore? Écoutez, on parle de rire, voilà, évidemment. Hein. Oui, je sais pas évidemment. Quand je sais pas à quoi tu fais référence, moi. Moi je parle que de rire. Je sais pas, en fait. J'ai pas été faire mes recherches. D'accord, très bien. Ok, donc ensuite... Et voilà, bonne nuit. Elle a répondu ça de façon très formelle. Il y a également la sérotonine qui augmente. Est-ce que vous savez ce que c'est la sérotonine? Oui, j'ai étudié pendant 12 ans, mais... C'est pas une histoire de vitamine D et... Non, pas du tout. Pas ça. C'est pas la régulation.
Exactement. Dans la sérotonine, c'est l'hormone qui va aider à travailler contre la dépression. Donc en fait, c'est l'hormone qui va réguler tes émotions, etc. Stabilité. Exactement. Et donc en fait, quand des gens prennent des médicaments pour la dépression, c'est un médicament qui va aller stimuler cette hormone-là. Comme ça, vous sortez de la dépression plus rapidement. Aurore a dit, arrêtez d'aller parler à votre psy, allez chez votre meilleur humoriste et tout sera réglé. C'est passez ce que tu as dit. Bonne soirée. C'est ce que tu as dit. Tout sera réglé. Peut-être. Cette femme est dangereuse. C'est une sorcière. Ensuite. Ensuite. Écoutez, je ne vais pas rebondir là-dessus. Ensuite, quand vous vous faites mal et que vous rigolez un bon coup, la sensation de douleur peut également bien baisser. Parce qu'en fait, quand vous rigolez, l'endorphine va pouvoir augmenter. Et l'endorphine, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est la formine endogène. Donc c'est la morphine qui est naturellement produite par votre corps. Ok. C'est super intéressant, Aurore, mais je me pose une question. Ouais. Est-ce que depuis le début de la chronique, tu ne rajoutes pas des mots en « in » au hasard ? Non. Pour que ce soit plus scientifique. Pour que ce soit plus scientifique. Écoutez, je suis en master, ok. Remets en question à chaque fois. Et aussi. Arkel, elle a bossé sa chronique. De ouf. Bah oui. Bravo. Mon petit calepin, là, il m'aide tous les jours. Il est magnifique, ton calepin. Le rire aide aussi à augmenter le taux d'anti-inflammatoire dans le corps. Ça, c'est mon dernier fact scientifique. Okay. Je vous l'assure. Parce qu'en fait. Quand tu vas rire, tu vas prendre des grandes bouffées d'air, etc. Et ça va aider à oxygéner l'organisme et donc augmenter ton système immunitaire. Voilà pour le dernier fact scientifique. J'espère que vous vous sentez un peu plus intelligent. Ah bah pour le coup, oui. Ça veut dire qu'il suffit de respirer, non ? Mais à grande bouffée d'air, du coup. Des grandes bouffées. Ça, c'était très drôle, par exemple. Voilà. Merci. Donc on passe maintenant le rire pour améliorer les relations interpersonnelles. Parce que, évidemment, rire, c'est dans la société depuis toujours. Parce que rire tout seul, c'est quand même dommage. Enfin bon, c'est bien aussi. On le fait parfois, hein, mais oui, évidemment. Mais... Moi, je vois bien Baptiste en grand méchant du film, en train de rire tout seul dans sa chambre. Donc, pour rebondir là-dessus, généralement, tu ris quand t'es pas tout seul. Hein. Pour ceux qui ont des amis. Ça se passe généralement dans un moment d'échange. Et alors, pendant ce moment d'échange, il y a, quand tu rigoles, de l'empathie qui est activée, ce qui fait que tu es beaucoup plus en synchronisation en fait, avec la personne, ce qui améliore les relations interpersonnelles. Oui. Parce que du coup, tu l'écoutes un peu plus. Ensuite, le rôle social du rire, développe une convivialité dans un espace de partage avec un plus grand lien. Oui, c'est très philosophique tout ça. Hein. C'est très beau, c'est très beau. Je vous l'accorde. Moi, en plus, c'est un peu lié avec mon mémoire. Je m'inspire. Ah ouais, ouais. Moi, mon mémoire, c'est... voilà, ce sera mon mémoire, ta chronique. En quoi l'humour a-t-il un lien avec la séduction ? Ah, vraiment ? Oh, ouais. C'est génial. Donc, on est un peu là-dedans. J'adore. Et tu parles justement de cette synchronisation qui peut se créer grâce à l'humour ? Exactement. Ah, bah, trop cool. Mais du coup, là, j'ai pas encore fait mes recherches, mais c'est là-dessus que... Je m'attendais à ce que tu apportes quelque chose à ce qu'a dit Aurore, mais t'as rien à rapporter, non, en fait. Non, je dis juste que voilà, ça va être là-dedans aussi que... Merci Baptiste, tu es magnifiquement inutile. Je te remercie, mais attention, je vais te virer. C'est quand même moi le présentateur aujourd'hui. Il est vrai, Baptiste, tu es magnifique, c'est tout. Voilà, c'est très bien. Vous saviez que le rire serait la première activité de communication et de partage qui a été détectée dans l'espèce humaine. Parce qu'en fait, avant d'apprendre à parler, on faisait des sons, et le rire, c'est un réflexe qui est venu naturellement dans la communication humaine. Comme ça, vous savez. Ça, c'est dit. J'aurais misé sur les pleurs ou un truc comme ça. En fait, c'est les émotions, mais la première émotion qui a pu être retrouvée dans... Enfin, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait, mais le rire aurait été... Enfin, serait la première activité qui a été enregistrée comme première activité de communication. Tu vois. Ok. Et les animaux rient aussi ou pas C'est l'espèce humaine, donc... on dit souvent que les hyènes rigolent, ouais. Mais je suis pas zoologiste. Je pense que les singes, je pense que les singes peuvent rigoler. Ouais, c'est Il me semble que j'ai déjà vu des vidéos de singes en train de se poiler. Et après, c'est ceux qui sont le plus proches de nous parmi les autres espèces, donc il y a moyen que les singes rigolent. Mais bon, ça c'est une question à poser à des gens plus cultivés. il y a le rire pour mieux communiquer. Saviez-vous qu'en communication, on utilise souvent des techniques de persuasion. Donc ça, je vais rechercher dans mon petit cours. Le passage par les émotions est vraiment une technique de persuasion importante, comme on l'a vu dans le cours de com' interne. C'est au quadri passé. T'as eu combien ? Oh,
Je ne sais plus, mais j'ai réussi. Ok. Ouais, c'est le principal. J'ai eu 15. Après, c'est pas un concours. Ouh, pas mal, pas mal, pas mal. Je pense que j'ai dû avoir 14, donc... Et dans ma carnet, je récupère la chronique. Donc en fait, les émotions est le véhicule indispensable de la prise de décision. Donc généralement, il va y avoir dans la communication de l'éthos, du pathos et du logos. L'éthos, ça va être, l'éthos et le logos vont être utilisés à 45%, alors que le pathos va être utilisé à 65%. Et pathos, c'est... C'est l'émotion, c'est ça. Et au plus jeune et au moins expérimenté t'es dans ta communication, tu vas moins utiliser de pathos parce que tu vas être moins à l'aise, alors que le pathos est une façon de persuader beaucoup plus forte que juste les faits et la logique. Donc voilà, et aussi pour le rire, quand tu rigoles d'une situation qui est mauvaise, c'est plus facile à faire passer un peu, à faire passer l'information. Donc par exemple, tu veux parler, je sais pas moi, quelqu'un qui t'a fait un peu de mal, ou voilà, tu parles de la situation, si tu parles de la situation en rigolant un peu, la personne va mieux comprendre ce que tu lui dis. Donc voilà, si vous avez tout en se prenant au sérieux aussi, ou juste... Exactement, parce que il faut trouver le bon équilibre entre humour et certitude, ce que tu dis, enfin genre voilà. Et en fait, quand tu parles un peu en rigolant, les gens vont avoir plus vont plus se rappeler de ce que tu as dit plutôt que de parler négativement. C'est comme en fait quand on parle de ça par exemple pour l'éducation positive des enfants, bon après tout ça c'est un sujet, un autre débat, mais quelque chose, une remarque va être beaucoup plus imprégnée si la phrase est tournée positivement. Ah oui, moi j'avais vu justement que les gens retiennent plus facilement les éléments très négatifs. Donc par exemple, si dans ta journée il y a 9 choses positives qui se passent, donc t'as bien mangé, t'es pas tombé, mais par contre il s'est passé quelque chose de négatif, ça prend beaucoup plus de poids. Ça peut peut-être parler dans tes expériences personnelles, mais quand t'essayes de Mais c'est vrai que c'est pas le même, d'induire un comportement à quelqu'un, la personne va plus l'induire si c'est positif, parce que ça veut dire qu'il va gagner entre guillemets en faisant ce comportement là alors que si tu le tournes en négatif, la personne va pas vouloir le faire parce enfin, c'est négatif pour moi, pourquoi je le ferais ? Alors que le même sujet qui va être tourné positivement, la personne va le faire. Incroyable. Voilà. On me dit dans le chat que les rats rigolent. Voilà, j'apporte une petite information. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ouais, exactement. On dormira moins con. Voilà. Et mon dernier sujet pour intégrer le rire dans la vie de tous les jours, c'est que l'humour est là aussi pour changer le monde. Vous voyez, dans les manifestations, il y a souvent des petites pancartes un peu activistes avec des slogans marrants. Ben là, en fait, on revient sur le dernier sujet. Les slogans rigolos sont beaucoup plus impactants. Ça, c'est vrai. Forme de séduction. Ouais, c'est une forme de séduction, c'est vrai. Bon, j'avance dans mon mémoire, j'avance. Doucement, mais j'avance. Et puis, pour terminer là-dessus, j'ai aussi lu dans une petite étude que je n'ai pas noté le nom, donc désolée, que l'humour favoriserait la consolidation d'un groupe autour d'un même sujet. Et donc, un groupe qui, de base, aurait été hétérogène devient homogène grâce à l'humour. Oh, ça rejoint peut-être mon mémoire, ça. Celle qui va nous donner tous nos éléments de réponse. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup, Aurore. C'était très intéressant, bien plus que celle de Brice. Merci. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était beaucoup mieux. Moi, je trouve qu'on a bien rigolé pendant ma chronique. C'est de l'humour noir, Brice. Mais t'es sacrément marrant, mon cher Baptiste. On fera attention. Et je ne dis pas du tout ça parce que tu es le présentateur et que c'est toi qui décides de ce qui se passe dans cette pièce. Allez, tais-toi un petit peu maintenant.